Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Aujourd'hui, on est mercredi, je sais plus combien. Je suis avec Enzo. Mercredi. En fait, je voulais aller payer le veto, mais il est fermé, donc du coup, on est venu à Gantin pour rien. On devait aller à Thion. Mais du coup, comment prendre à droite sur rue de Lorraine. À partir de tourner à droite, voilà. On a mis le GPS pour pas me perdre, parce que moi, je suis la championne. Donc du coup, là, on va à Easy Cash faire un petit tour comme ça, et ensuite, on ira à Thion, et puis ensuite, on rentre. Ah ouais, Enzo? Et ouais. Ouais, j'enlève mes lunettes parce qu'en fait elles sont bien. Mais avec les lunettes, eh ben, je vois pas mon écran. Enfin bref, voilà. Bon, moi je vous laisse et puis on vous reprend après. Re à tous. Alors là, c'est bon, on a été à Easy Cash en fait. J'ai trouvé juste des DVD pour les enfants. Donc il y avait Babar. Il était une fois la vie là et tout. Franchement, je suis contente. C'était deux acheter un gratuit. Ils étaient qu'à 1€. Je me suis sortie avec je sais pas combien de DVD pour 12€, donc franchement nickel. Donc là après on a pris le bus, mais il faut changer de bus pour aller chez Action. Donc du coup là on attend le C4 qui va arriver d'ici 6 minutes, voilà. Donc voilà, donc je vous laisse et puis je reprends après. Re à tous, alors là il est 17h, on va prendre le bus là pour rentrer. Il y a Enzo qui flippe. Il y a une araignée rouge. N'importe quoi. Lol. Tout à l'heure, il y avait une araignée rouge. Là, il y a une araignée rouge. Là, on voit partout des araignées. Non, c'est des araignées. Bon, on a fait un peu de shopping, en fait. Au final, on n'a pas été que chez Action. Je suis allée à Toco. Toco, c'est quoi ça? Taco. Taco Fashion. Là, j'ai trouvé un ensemble pour mon conjoint. On est allé chercher des trucs pour la tortue. On est allé chez Action, on est allé chez BM, anciennement Babou, on est allé chez Easy Cash. Et puis là, bah, maintenant on rentre, hein, c'est bien. Voilà. Donc au pire des cas, je vous ferai un haul course en rentrant, puis je vous le mettrai dans une prochaine vidéo, parce que je sais que il y a des personnes qui n'aiment pas trop les hauls dans les vlogs. Donc voilà. Par contre, j'ai aussi acheté des nouvelles chaussures. Je les ai mises tout de suite parce qu'en fait avec les autres chaussures, je sais pas pourquoi j'avais trop mal. Dès que je marche trop avec ceux-là, j'ai trop mal. Donc du coup, je pouvais plus. J'ai trouvé ceux-là, 6,50€. J'ai dit c'est bien, hop hop, je les prends, j'ai trop mal. En sortant du magasin, j'ai changé mes pompes. Mais bon. Voilà, voilà. Donc là, on va rentrer. Léa, elle est partie à son stage parce qu'elle est en stage au Gribab. Elle reprenait à 17h. Autrement, elle serait venue avec nous. Mais comme voilà. Et les petits, je les ai pas pris parce que voilà, je voulais faire tranquillou avec mon fils. C'est dingue, ouais, arrive à 14 ans, à croire on leur tape la honte. C'est un truc de ouf. Par contre, pour demander d'acheter quelque chose, ça va tout seul. Hein. Là, tu me tapes pas la honte, on m'a donné. Achète-moi ça. Ouais. Ouais, ouais, lol. C'est ça, il voulait un poisson et tout, mais la flemme, franchement, de retourne. Un genre de requin, un petit poisson requin pour mettre dans son aquarium, mais bon. C'est pas grave, il l'aura la prochaine fois, le mois prochain, j'ai dit on retournera et il aura ça et une genre de petite anguille, il mettra ça avec les poissons rouges. Et voilà, là le soleil il cogne, franchement ça fait du bien. Je me plains pas, j'ai chaud mais je me plains pas parce que je kiffe la chaleur, le soleil et tout. J'espère bien bronzer mes petites bibles là, c'est pour ça que j'ai mis le short aujourd'hui, parce qu'à la base je suis blanche. Mais bon, voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse, le bus va pas tarder à arriver et puis je vous reprends en rentrant à la maison. Re à tous, alors là, j'ai acheté ça chez Action, alors c'est un griffoir. Oui, Titi. Alors c'est un griffoir, mais je sais pas. En fait, il y a un produit à mettre dedans, d'ailleurs, là, on a fait tomber. Il y a un produit à mettre dessus, donc c'est ça, des genres d'herbes. Et ben franchement, ils sont dingues. Enfin, du moins, elle devient folle avec ça, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ses poils. Bah non, elle est mouillée. Qu'est-ce que tu as fait, mon chat? Alors, hop, j'enlève les petits parce que lui dormait dessus, mais voilà. Voilà, il y a Lucie qui l'embête. Alors franchement, elle kiffe. Voilà. Elle se roule dessus et tout, même les petits chats, c'est un truc de fou. Mais laisse ta mère tranquille. Ah, Lucie, arrête de crier. Laisse faire embêter. Mais franchement, c'est pas mal. Je crois que j'ai même pas payé 1€. Ou 1€. Alors, je vais pas hésiter à en racheter. Hein. Franchement, ils adorent. Twitch, il fait dodo, lui. Ils adorent. Bon, je vais plutôt vous montrer ce que j'ai acheté ici, hein, parce que ce sera plus simple. Donc, j'ai trouvé cette paire de chaussures-là pour 6,50€. J'ai également trouvé ce petit jeu-là pour Lucie, chez Action, donc pour 2,99€. Et en fait, elle doit reconstituer les bonhommes par rapport aux couleurs. Donc, le jaune avec le jaune, Lucie.
Celui-là, c'est un autre. Celui-là, il va là. Vas-y, celui-là. Celui-là, il va là. Regarde. Si? Non? Bon, du coup, bon, bah, je vais la laisser s'éclater. Ensuite, chez Action, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, ben, des lingettes dépoussiérantes. J'ai payé 1 €. J'ai trouvé également un petit coloriage, là. Celui-là, c'est pour Emma. Donc, c'est le coloring book. Donc, du coup, c'est tout des filles à colorier. J'ai racheté des crayons gras parce qu'en fait, j'en avais acheté que pour Lucie. Hier, j'avais trouvé qu'une boîte en même temps. Il y a une boîte de 12. Et du coup, ça se battait. Et là, j'ai même pas payé 1 € la boîte de 24. Alors, j'ai pris en rose pour Emma et en bleu pour Brian. C'est plus joli, Emma. Hein? Tu colories bien. Ah ouais? Ensuite, chez Action, bah, j'ai pris 2 lots de choquettes. Donc, de 3 paires, ça fait 6 paires. Donc, j'ai pris 1 lot gris, 1 lot noir. Bon, j'ai racheté des masques chez Action. Bon, je sais plus ce que je disais parce qu'il y avait Lucie qui est en train de crier. Donc, du coup, j'ai acheté 2 lots comme ça, 1 € les 7. Donc, 1 pour la maison et 1 pour mettre dans la voiture parce que j'oublie toujours mes masques. Ça, c'est toujours chez Action. Chez Action, je me suis racheté un rouleau jade parce qu'en fait, ils me l'ont cassé. Donc, ça, c'est 2 €. Action, toujours des petites balles pour les petits chats. Donc, 70 centimes les 2. C'est pour les bébés chats. Donne aux bébés chats. Ouais, donne au bébé chat. Un petit cadre, mais ça, c'est pour faire un petit cadeau à Eliano, le copain de Emma, pour mettre la photo dedans. Je vous montrerai la photo après. Donc ça, je sais même plus combien c'était. Des élastiques, en fait, je les ai pris, je crois que c'est 1 €, ceux-là, mais moi, j'aime bien. On les met au poignet, ça fait stylé. En plus de ça, on peut attacher les cheveux. Mais je crois que ça, c'est 1 €. Chats sont toujours... Ensuite, il y a Lucie qui va pas arrêter de crier à travers ma vidéo, hein. J'ai trouvé, il me fallait des embouts pour les brosses à dents. Donc, du coup, j'ai trouvé, ça, c'est 1,95 €. J'ai pris pour Enzo, bah, pour Enzo et même pour nous cet été, en fait, pour mettre dans les petits sacs, c'est pas mal, ça. C'est des machins, des pains de glace. Donc, ça, c'était même pas 1 €, je crois, 60 centimes les 3. J'ai acheté également de l'huile de coco pour les cheveux. Donc, ça, c'est 3 €. Après, Chation, donc ça c'est pas Chation, ça c'est Chation, ça c'est Chation, c'était quoi une autre? C'est un antivol, je crois. Attends, ah bah il va me les ramener. J'ai acheté des crayons noirs parce qu'en fait, Chation, je trouve qu'ils vont super bien et tiennent. J'ai acheté les crayons noirs, je crois que c'est 1 €. Désolée, je me souviens plus trop de tous les prix, j'ai pas le ticket de caisse là. J'ai acheté également un pchit-pchit pour les cheveux, mais ça c'est plus pour Lucie parce que... Avec ses cheveux bouclés, à chaque fois qu'il faut les... Ah ouais, c'est bon. À chaque fois qu'il faut les peigner, ben elle râle. Donc du coup, je mettrai un peu d'eau à chaque fois. Ensuite, Chation. J'ai trouvé un lot. Donc la brosse et le peigne. Donc le peigne, c'est spécialement pour les cheveux de Lucie, pour les boucles. Hein, parce que je peux pas les brosser à la brosse. Autrement, ça va abîmer toutes ses boucles. Voilà. Ensuite, Chation. Un antivol pour Enzo, 2 € parce qu'il m'a perdu la clé du sien, mais ça, c'est tout Enzo. Il a cassé dedans. Ouais, il a cassé la clé dedans, et puis moi, il m'en avait donné une, et je l'ai posée quelque part, mais je sais plus où. Donc, du coup, il m'a donné un double, que je vais mettre sur mes clés de maison, comme ça, je serai sûre. Une pompe à vélo, parce que monsieur, il a crevé. Donc, 2,19 €, mais de toute façon, ça, il en fallait. Et t'as vu, tu peux l'accrocher sur ton vélo, là. T'as vu? Ça, c'est quoi? C'est top. C'est cool. J'avais besoin également une ceinture, donc Chaton, toute simple, hein, 2 €. Également un chargeur, j'ai plus de batterie, justement, un chargeur qui fait 2,50 m. Également Chaton, je lui ai pris une petite sonnette. D'ailleurs, si t'en veux, il y en avait des belles roses, Emma, pour mettre sur ton vélo. Ah ouais, 52 centimes, bon, on ira en chercher, c'est pas... Là, donc un paquet de feuilles, hein, c'est des feuilles blanches, hein, toutes simples, 3 €. Des piles, mais ça, en fait, les piles, c'est pour voir, j'espère qu'ils vont aller dans le... C'est pour les livres musicales, là, que Lucie, elle a, donc j'espère que ça ira. Donc voilà, donc je crois que pour chez Action, c'est tout, hein. C'est déjà bien. Donc maintenant, on va passer à B&M.
Oh, il y a Lucie qui arrête pas de nous embêter. Donc, chez BM, il y a ce petit laser. Alors, mon chat, il en est dingue. Attends, il et fait lampe et laser. Il y a Lucie qui touche à tout. Donc, du coup, je disais, il fait lampe et laser. Donc là, le chat, elle est dingue de ça. Elle adore. Et le sien, il n'y avait plus de pile. Alors là, je crois que j'ai payé 1,50€. Ah, j'ai oublié de vous montrer, chaton, si c'est un lot de Sainte-Serpillière. Attention, un lot de Sainte-Serpillière pour 2€. Et bah des chouquettes pour les petits aussi. Voilà, c'est tout pour chaton. Donc, chez BM, il y a le laser que je viens de vous montrer. J'ai acheté un coupe-griffe. Donc, ça va pour les chiens, les chats, machin. Mais moi, c'est surtout pour les chiens. Parce que franchement, ils ont des griffes de malade et ils font mal. Et quand ils nous sautent dessus, du coup, ça fait mal, hein. Donc, du coup, j'ai trouvé ça, 4€ chez BM. Hier, j'avais acheté des couverts exactement les mêmes, mais en quelle couleur hier? En gris. J'avais payé 1,50€ hier, et là, en bleu turquoise, comme ça, j'ai payé 1,50€. 1,50€, n'importe quoi. Hier, j'ai payé 1,50€, là, j'ai payé 1,30€ chez BM. J'ai trouvé ce petit Bouddha, je sais plus si je vous l'ai montré, en fait, tout à l'heure, je sais plus, je l'ai pris dans mes mains, mais... Donc, avec une fausse fleur, pour mettre dans ma vitrine... Ça, j'ai payé 2,50€. Là, j'ai trouvé une assiette pour Lucie. Donc, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a plusieurs compartiments. Du coup, on pourra mettre tous ces aliments séparés. Apparemment, je sais plus avec qui j'avais discuté. Et ça va ça l'incite à mieux manger. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai payé 3€. Mais elle est assez, assez lourde et costaud. Donc, ça, c'est top. Chez BM, toujours, j'ai fait tomber quelque chose. J'ai... acheter ses rustines, des rustines pour Enzo vu qu'il a crevé, donc il va réparer son vélo après. Ouais, il y a ça. Donc j'ai trouvé un balai comme ça pour laver des fois entre deux parce que je ne lave tous les deux jours, mais entre deux des fois c'est sale. Donc du coup, ben voilà, comme ça, clac clac, ça c'est pour vraiment à l'arrache rafraîchir un peu la maison. Donc chez BM, je crois que c'est tout. Moi je vois plus rien d'autre. Hein. Là chez Taiko Fashion, que je vous disais tout à l'heure, c'est un nouveau magasin là qui a ouvert pas loin, à côté de notre action en fait. Du coup, comme mon conjoint, il lui fallait un short, un t-shirt, je suis allée voir là-bas. Donc du coup, je lui ai trouvé des chouquettes, donc 3,99€ les trois paires. Mais bon. Bon, si vous entendez Lucie, c'est normal, elle pique une crise, mais je l'ai mis en haut parce qu'en fait, on peut plus lui dire non. On peut même plus rien lui dire, ou alors on prend un truc dans nos mains, elle le veut tout de suite. Et donc voilà, je l'ai mis dans sa chambre, elle est finie, c'est tout. Je vous jure, en ce moment, c'est un truc de fou. Hein. On voit qu'elle essaye de... Elle a 2 ans, elle essaie de prendre le dessus sur nous, mais voilà. Donc, j'ai trouvé ces chouquettes pour mon conjoint à 3,99€. Un short pour 10€. Par contre, un deux, vous le mettez de travers. Voilà, et un t-shirt. Et ce t-shirt pour 5€, je crois. Ouais, c'est un 5,99€. Donc comme ça, il a un ensemble pour lui cet été déjà. Elle tape sa crise aussi. Donc là, j'ai acheté... ça, c'est chez Animal Prod, donc un réservoir... enfin, de réservoir, un distributeur. Mais il fait pour l'eau et les croquettes, en fait, selon ce qu'on donne. Il y a plus ou moins, là, le trou, il est grand. Ou comme là, c'est pour l'eau. Mais moi, je l'ai pris pour l'eau. Hein, parce qu'elle a déjà un distributeur de croquettes. Et j'ai pris 3 choses comme ça pour ma tortue parce qu'en fait, elle mange que ça. Le reste, les autres aliments tortue, elle n'en veut pas. Donc du coup, dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des verres de vase, etc. Et ça, c'est 1,80€. Les 30, je crois. 2, 4, 5, 5, 10, 15... Ouais, les 30. Et ils sont à 1,80€. À gamme vert, ils sont à plus de 3€. Donc, waouh, c'est un truc de fou. Du coup, je les ai pris par 3 direct. Tiens, Zo, si tu veux mettre au congélateur tout de suite, s'il te plaît, parce que ça se met au congélateur. J'ai oublié de vous dire, chatillon. J'ai trouvé une robe. Alors, je les avais vues dans la pub. Mais, voilà, le jour où j'avais été, il n'y en avait plus. Et là, je sais pas, je l'ai trouvé dans le rayon comme ça. Alors, je savais même pas le prix parce qu'il n'était pas au bon endroit. Et pile poil taille S. Donc, voilà, je suis contente. Je vais l'essayer tout de suite là après. Voilà, je sais pas. Les robes longues, je sais pas ce que ça donne sur moi. J'en ai jamais mis. Mais ça m'a toujours attiré. Donc, on va tester. Et je vous montre ça tout de suite. Bon, bah, je suis dégoûtée. Alors, le haut et tout, ça peut aller. Mais alors, en bas, bah, ça va pas du tout. Moi, je trouve que ça fait...
Ça fait trop bizarre, en fait. Donc, je sais pas. Ma mère, peut-être, elle pourrait faire un bord ou... Mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve que ça fait bizarre. En plus, j'ai pas l'habitude, mais ça moule vraiment toutes les formes. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, je vais la mettre sur un cintre dans mon armoire et je vais voir si ma mère ou je vais la donner à Léa. Léa, elle va essayer à voir comment ça lui taille parce que si ça moule les formes et tout, moi, je suis pas d'accord pour qu'elle mette ça. Hein, elle a 15 ans, 16 ans. Non, elle a 15 ans. Elle aura 16 ans. Donc, du coup, bref, on verra bien ce que ça donne sur elle. Voilà, Lucie qui est redescendue. Ah, la méchante. Elle est vraiment méchante, Lucie. Enfin, voilà. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon, avec tout ça, j'ai oublié de vous montrer des choses, hein. Donc, voilà. Bon, Lucie, elle m'a déjà arraché la boîte, mais voilà. Donc, j'ai acheté du produit anti-verrues. Parce qu'en fait, j'ai des verrues plantaires depuis quelques années. J'ai essayé les huiles essentielles, les traitements que le médecin y donne, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Donc là, on verra bien. J'ai testé. Donc, c'est la marque Edzilor. Et c'est traitement contre avec le froid. Alors franchement, ça gèle direct la verrue. Hein. Ah, on a mis sur, j'ai mis sur ma verrue. Tout de suite, c'est 30 secondes, je crois. Et ben, elle était blanche. Mais bon. Donc du coup, j'espère que ça va marcher. Apparemment, ça fonctionne en une application. Si d'ici 10 à 15 jours, elle est encore là, je dois répéter l'application. Donc du coup, il y a ça et il y a des petits embouts à mettre. Des petits carrés de mousse comme ça, des petits filtres à mettre sur le bout. Et du coup, ça imprègne de produits et ça va mettre sur la verrue. Et après, à jeter, bien évidemment. Donc voilà, donc ça, j'ai payé 12,40€. Ouais, c'est à maman. Ouais, Lucie, elle est redescendue, mais elle est calmée. Donc du coup, c'est bon. Elle a fini de crier, elle a vu que j'ai pas cédé. Donc voilà. Donc ça, c'est OK. Oui, c'est pour le chat. Donc ça, c'est un traitement anti-ver pour les vers. Pour les chats et les chiens de... Je crois que c'est un comprimé pour 4 kilos. Donc, du coup, je vais pouvoir en donner, même si la petite, elle a ses bébés et tout, je vais pouvoir en donner parce que le chat, j'ai vu la dernière fois qu'elle avait des vers. Donc ça, ça coûte 8 ou 9€, je sais plus. Oui, c'est pour le chat. Et ça, ben, c'est le savon de Emma. Alors franchement, je ne jure que par ça pour elle. Elle se lave qu'avec ça. Parce qu'en fait, voilà, comme là, on va montrer, vu que Emma, elle est là, justement. Voilà, donc vous voyez tous les petits boutons, ça, c'est rien encore. Bon, désolé, je m'embrouille un peu tout seul, mais bon, bref. Donc, en fait, si elle se lave pas avec ce produit-là, donc là, ça fait un mois à peu près qu'elle s'est pas lavée avec, elle s'est lavée avec du gel douche classique, et ben, voilà. Ça fait tout des boutons, et ça lui gratte à fond, et en plus de ça, par moment, ça fait des plaques, et ça peut même venir dans sa figure, donc du coup... J'achète celui-là et il fonctionne super bien. Donc, pour 500 ml, en plus, il coûte 3,95€, je crois. Donc, franchement, c'est pas négligeable. Et voilà. Donc, après ça, c'est Easy Cash. Ce sont les DVD que j'ai trouvé. Donc, en fait, c'était deux achetés, un gratuit, sauf un que je vais vous montrer après. Donc, en ce moment, comme ils sont à fond d'anti-teuf, il y avait ces deux-là. Donc, c'est le numéro 3 et 14. Ouais, Lucie, elle laisse traîner ces trucs. Le 3 et 14, donc j'ai pris ces deux-là direct. Hein. En 8-8, alors là, les gâtés, il y a 8-8, le gâteau d'anniversaire géant, 8-8, les pirates, 8-8, l'arrosoir magique, 8-8, et la fusée magique, et 8-8, l'île de l'aventure. Donc, ça fait combien de 8-8 tout ça? Ça fait 5, donc 5-8-8, franchement... Et à la base, c'est 1€ le DVD, comme je vous dis, de acheter un gratuit. Pour Brian, il adore les Lego, là. Donc, du coup, il y avait le volume 3, volume 2. Du coup, je l'ai pris. Les deux, hein, du coup, voilà. Ensuite, Babar pour Lucie. Bah, bien que Emma et Brian, ils vont sûrement regarder. Ça, j'ai pris Boucle d'or, parce qu'en fait, dès que j'ai vu, j'ai sauté dessus, parce qu'en fait, je parlais. Lucie, je l'appelle toujours Boucle d'or. Et Brian, il me dit, c'est quoi Boucle d'or, nana? Donc, du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, il y avait des animés, il me l'avait demandé. Donc, j'allais le mettre sur YouTube. Et en fait, je l'ai trouvé en DVD, là, pour 1€. Donc, voilà. Et ça y est, elle est repartie. Là, la nuit au musée, franchement, ils adorent. Hein. Ninja, donc ça, c'est Enzo qui l'a choisi. Lucie, s'il te plaît,
Lassie, donc ça c'est des films cultes hein, quand j'étais jeune, hein. Du coup je voudrais leur montrer. Et ma mère en fait, ils avaient acheté un collet et ils l'ont appelé Lassie, voilà. Là, mais, oh là là, et franchement, hein. La Coccinelle revient, donc c'est pas le 1 mais c'est le 2, mais franchement ça, j'aime bien, Brian Shea qui va aimer. Donc ça c'est celui-là que Enzo a choisi, donc les X-Men, la trilogie. Et celui-là, il valait, enfin, le plus cher, là, le 2 euros. C'était 2 euros. La fée Clochette. Et Clochette et l'expédition féerique. Vas-y, éclate-toi, Enzo. Non, mais, s'il te plaît. Bref, donc ça, c'est plus pour Emma et Léa. Hein. Léa, elle aime bien encore. Alors, celui-là, donc celui-là aussi, je l'ai pris tout de suite parce que Brian, il regarde beaucoup ça. En ce moment, c'est sur, je sais plus si c'est sur une plateforme Netflix ou quoi. Mais voilà, du coup je l'ai pris, il y a 5 épisodes, il était super content, il y a 125 minutes. Donc voilà, donc là, je vais retourner la caméra. Voilà pour mes achats, j'avais dit de vous le faire à travers une autre vidéo, mais c'est pas possible. Avec elle surtout, c'est pas possible. Je vous jure, c'est un truc de fou, mais bon. C'est Lucie, fidèle à elle-même, hein, de toute façon. Hein. Ah ouais, Lucie? Lucie? Oh, Lucie? Bon, du coup là... tout de suite, il est presque 19h, donc comme hier, on a mangé froid. Donc salade, tomates, cornets de bœuf et tout ça. Il reste pas mal. Du coup, ce soir, on va manger ça. On va finir les restes. Ce midi, ils en ont déjà mangé un peu. Mais ils ont mangé à 3, hein, vu que Léa mange au kebab. Et du coup, ils ont mangé ça tous les 3, tous les 4. Lucie, Emma, Brian et Andrew, ils ont mangé ça. Moi, j'ai grignoté vite fait un bout de saucisson. Voilà, j'ai pris de la charcuterie, bref. Du coup, on va finir ça ce soir. Et ensuite, j'irai imprimer mes cartes parce que je me suis réservé un loto ce soir. En espérant avoir la gagne. On verra bien. Et voilà. Donc là, on va préparer la table. On va ranger. Je vais aller imprimer mes cartes. Si j'ai le temps, je prendrai ma douche ce soir. Et voilà. Donc, oh non, si, mais je te jure. Non. Si. Moi, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, alors là, je vais clôturer le vlog d'hier parce qu'en fait après je vous ai pas repris en fait. J'ai perdu au loto, hein, mais bon, c'est pas grave. Là, je promène le chien et puis en fait, je vais commencer le nouveau vlog. Comme ça, ce sera fait, j'ai déjà commencé le montage de cette vidéo et il n'y aura plus qu'à rajouter ce morceau et puis l'envoyer sur YouTube. Voilà, donc, aïe, il tire. Là, je vous laisse. Et je vais commencer mon nouveau vlog, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de partager, etc. Et je vous dis à bientôt, bye bye.